Je ne vous reçois pas. Je ne suis pas autorisé à vous répondre sans l'aval du chef. Il me faut une autorisation de Brazzaville avant de vous accorder une interview. Voilà le genre de propos auquel se heurtent les journalistes dans la recherche quotidienne de l'information dans la capitale économique Pointe-Noire. Afin d'éviter de verser dans la spéculation ou la diffamation, le journaliste se doit de se rapprocher d'une personne dite ressource pour l'obtention d'une information juste et fiable. Pourtant aussi responsable administratif ou technicien supérieur soit-elle, à l'approche des journalistes, ces personnes se barricadent systématiquement dans un silence assourdissant. Du refus courtois au plus agressif, en passant par des raisons farfelues ou des rendez-vous interminables, les officiels usent de tous les stratagèmes susceptibles de repousser la peste que représente la presse. La presse, encore et toujours elle, s'exclament les uns, toujours prête à rajouter son grain de sel, retorquent les autres. On croirait que le journaliste n'est là que pour semer le trouble, inciter à l'incivisme ou la révolte. Pourtant, quand sonne l'heure de la propagande et de la mise en lumière de leurs actions, les officiels se souviennent comme par enchantement du rôle plus que crucial du journaliste dans la diffusion de l'information. Au regard du muettisme qui caractérise nos officiels et qui semble se justifier par des injonctions imposées par la hiérarchie, l'on est en droit de s'interroger sur le principe de décentralisation que prône la politique gouvernementale. Car si sur le plan administratif elle est une réalité, dans le domaine de la communication, elle demeure une utopie pour les officiels départementaux. Il est essentiel de souligner que la rétention de l'information constitue un crime à l'encontre d'une population qui ne demande qu'à être informée et la presse demeure le canal autorisé. Que chacun s'en souvienne.